Relève-moi, sous-titre L'amour après la vie. Alors, ce n'est pas du tout le truc de la mort après la vie ou la vie après la mort, comme tout ça. C'est simplement, c'est une histoire vraie, puisque c'est mon mari qui est mort. Et j'avais écrit ça presque d'un trait. C'est l'histoire de quand il est tombé, quand il a eu son AVC. Il y a aussi une réflexion philosophique sur la mort. Et c'est toute cette. Ça, c'est, un de mes amis m'a dit, c'est une grande histoire d'amour. C'est toute cette histoire d'amour avec cette perte. Et ce que j'ai trouvé, et ce que les gens trouvent, ceux qui l'ont lu, trouvent intéressant, c'est que j'ai complètement changé. Je n'ai plus raconté, c'est lui qui parle. Alors c'est lui qui parle, c'est pas un fantôme, mais c'est lui qui parle, qui raconte la vie vécue, qui raconte les choses. Donc c'est vraiment complètement dans l'amour. Et en même temps, c'est Eros et Thanatos, hein, c'est l'amour, la mort, etc. Donc relève-moi. Pourquoi relève-moi? Parce que quand il est tombé, il m'a dit relève-moi. Alors comme c'était une baraque, moi relève-moi, la petite, je pouvais pas le relever. Et l'amour après la vie, on m'a demandé de prendre un sous-titre et je me suis dit pourquoi pas ça? Mais je ne veux surtout pas que ça fasse penser à une histoire de on croit à la mort après, etc. Après, chacun croit ce qu'il veut et moi je ne dis pas ce que je crois. C'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est l'histoire d'amour et cette mort qui était imprévue et ça arrive à plein de gens actuellement et avant et après. Voilà.